Merci beaucoup. Donc oui, pour conclure cette matinée, je vous propose un pas de côté finalement, et en vous parlant d'un relais inattendu, ou peut-être pas si inattendu que ça, on va le voir, dans la bande dessinée dans les années 70 et 80, que sont les émissions de rock sur lesquelles je travaille actuellement en thèse de doctorat. Alors lorsqu'on s'intéresse à ces émissions, on est très vite plongé dans l'univers de la bande dessinée. Et en réalité, dès le titre même de ces émissions. Et on peut s'amuser, en guise d'introduction, à faire un petit inventaire de ces émissions de rock qui, dans leur titre, font un clin d'œil à l'univers de la bande dessinée. Alors, par ordre chronologique, on a par exemple Rock en stock, qui est une émission assez confidentielle, hein, contemporaine d'ailleurs de Tac au Tac, du début des années 70, présentée par Pierre Lattès, un des chantres du rock à la télévision. Donc le clin d'œil, c'est évident à Tintin, à Coq en stock, bien entendu. Autre émission, 10 ans plus tard environ, Ouba Ouba, qui fait partie du fameux label des Enfants du Rock, sur lequel j'aurai largement l'occasion de revenir, et qui est un titre qui fait référence au Marsupilami de Franquin. Dans un autre genre, cette fois, L'écho des bananes, qui est une autre émission contemporaine d'Ouba Ouba, sur FR3, qui est un clin d'œil à la revue de bande dessinée L'écho des savanes, et qui fait référence aussi au retour de la mode de la banane dans les années 80, la coiffure. Et enfin, là ce n'est pas vraiment un jeu de mots, mais L'impeccable, qui est une autre émission des Enfants du Rock, sur laquelle je vais énormément revenir, qui cette fois est une vraie émission de bande dessinée. Alors là, il n'y a aucun jeu de mots, mais dans le titre choisi, on a une référence assez évidente à la tradition des titres de revues de bande dessinée du XXe siècle. L'impeccable, ça peut rappeler des titres comme L'audacieux, je crois que ça existait, L'imprévisible, on est dans ce registre-là. Voilà donc pour cette petite introduction liée au titre de ces émissions et qui met en évidence immédiatement un lien étroit entre le rock et la bande dessinée, qui n'est pas forcément évident pour une génération comme la mienne, par exemple, qui est née à la fin des années 90, qui n'a pas connu cette époque-là, mais qui, pour les acteurs de la télévision et des émissions de rock des années 70 et 80, était une filiation absolument évidente. Pour poursuivre cette introduction, je vous propose, pour histoire de planter le décor, d'en retracer rapidement l'histoire de cette filiation. Le rock, c'est d'abord le sujet de prédilection de plusieurs dessinateurs, hein, notamment en France, dès les années 70. On a une œuvre qui a agi comme une sorte de matrice, hein, pour de nombreux dessinateurs, qui n'est pas vraiment une œuvre de bande dessinée, mais qui est Rock Dreams de Guy Pellert, au tout début des années 70, qui combine plutôt peinture et photomontage, et qui a eu une très forte influence justement sur de nombreux dessinateurs qui, dans la lignée de Pellert, reprennent cette tradition de la mise en dessin du rock, qui culmine bien entendu avec Métal Hurlant en France, hein, fondé au milieu des années 70. Je vous ai mis un exemple de l'un des nombreux spécial rock qui a été publié par la revue. Je ne vous citerai pas d'autres exemples, parce que j'ai l'impression que déjà je perds du temps là-dessus. De dessinateurs qui sont aussi des musiciens de rock. Je pense évidemment évidemment ou non, on l'a peut-être oublié, à Kent Hutchinson, qui était un des leaders de Starshooter, un groupe lyonnais assez célèbre à cette époque-là, qui a également publié des bandes dessinées et qui était invité dans les émissions de rock, tantôt comme musicien, tantôt comme dessinateur, parfois pour les deux. Donc il est assez évident, hein, dans cette décennie dès les années 70, et plus encore peut-être dans les années 80, on le verra, que le rock et la bande dessinée sont très, très liés. Je passe peut-être vite là-dessus, là aussi, puisque le temps file déjà. Une autre collaboration qui existe de ce point de vue, c'est une tradition de faire appel à des dessinateurs pour faire les pochettes de disques. Hein, et le coup d'envoi, entre guillemets, de cette tendance, c'est Janis Joplin, qui faisait encore partie de son groupe à l'époque, Big Brother and the Holding Company, qui fait appel à Robert Crumb, personnage important, on le verra tout à l'heure, en France.
pour faire la pochette de leur album en 1968. Les acteurs et les professionnels de la télévision qui font entrer le rock dans ce média ont donc à l'esprit tout ce bain culturel hein, où la bande dessinée fait partie du paysage, j'ai envie de dire. Et pour terminer de vous planter le décor avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'appréhender vraiment la manière dont ces émissions de rock traitent la bande dessinée, peut-être revenir très rapidement sur la genèse du rock à la télévision. C'est quelque chose qui démarre assez tardivement en France, peut-être plus tardivement qu'ailleurs, la faute très certainement aux yéyés hein, qui ont tenu le haut du pavé ici avec Salut les copains, à la radio et en kiosque, et à la télévision avec H-Tendre et Tête de Bois. Et il faut attendre la fin des années 60 pour voir émerger la toute première émission de rock, hein, Bouton Rouge, dont je vous ai mis un exemple ici avec Pierre Lattès, l'animateur. Qui, dans la lignée du mouvement d'intellectualisation pardon, du rock qui avait été initié par le Rock and Folk, né en 1966, s'attache peu à peu à tâcher de parler sérieusement du rock à la télévision. Mais ces premières tentatives, elles sont très souvent avortées, hein, et ces premières émissions, elles ne comptent que très peu de numéros. Elle se termine bien souvent également sur fond de scandales sur lesquels je n'aurai pas le temps de revenir aujourd'hui. Et il faut attendre de ce fait le début des années 70 pour que se construisent les fondements du rock à la télévision en France. Et une émission agit en cela comme une matrice hein, pour toutes les émissions suivantes. Il s'agit de Pop 2, sur laquelle j'en reviendrai d'ailleurs, puisque la bande dessinée y est très présente. Qui est une émission donc, du début des années 70, animée par Patrice Blanc-Francard, et qui pose en particulier les bases de la réalisation des concerts de rock, en érigeant, en instituant de véritables principes avec lesquels les émissions suivantes ne transigeront plus. Tout cela est prolongé à la fin des années 70 par d'autres programmes comme Chorus, hein, d'Antoine Decaune, sur lesquels je ne m'attarde pas plus. Et l'apogée de toute cette histoire, elle se situe dans les années 80, après l'arrivée de la gauche au pouvoir et la fin du monopole d'État, avec le programme phare du rock à la télévision en France, Les Enfants du rock, entre 82 et 88. Vous avez ici le visuel de l'émission dans sa dernière partie, à la fin de sa vie. Voilà donc pour ce décor, pour le contexte dans lequel ces émissions de rock s'inscrivent. Je vous propose, pour rentrer dans le vif du sujet de la bande dessinée, qui nous intéresse quand même premièrement aujourd'hui, de vous faire deux photographies à travers deux émissions différentes, une au début des années 70 et une au début des années 80, qui sont les émissions de rock qui traite le plus de bandes dessinées et qui vous montreront comment le statut de la bande dessinée dans ces émissions de rock évolue très fortement tout au long des années 70 et pour trouver un ton tout à fait remarquable au début des années 80. La première émission dont toutes les émissions hein, abordent la bande dessinée de près ou de loin. Mais la première émission qui le fait véritablement et qui invite très souvent des dessinateurs, il s'agit de Pop 2, une émission née en 1970, qui est contemporaine de Tac au Tac. C'est une émission qui, on le comprend dès le premier épisode, a pour but de parler de contre-culture. Et il y a une notion qui est omniprésente dans ce programme, c'est celle d'underground, que Patrice Blanc-Francard répète quasiment à chaque numéro. Et c'est sous cette notion d'underground que finalement le rock et la bande dessinée se rejoignent comme finalement deux maillons d'une contre-culture, d'une même contre-culture. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer Patrice Blanc-Francard, et pour lui, c'était une évidence que même s'il faisait une émission dédiée à la musique, dans son esprit, dans l'esprit de ses collègues, il faisait une émission qui parlait d'une culture qui émerge à cette époque-là, une culture post-mai 68 et post-festival de Woodstock, hein, où on est encore dans toute cette effervescence hippie West Coast américaine, finalement. Et c'est une des premières émissions qui fait venir cet esprit en France. Et ça,
ça se passe dans la lignée, par exemple, d'une revue qui est créée, enfin, qui n'est pas créée au même moment, mais qui est reprise en même temps que Pop 2 par Jean-François Bizot, c'était Actuel. Et Actuel sert d'appui pour Pop 2 pour aborder la bande dessinée. Et il en découle, logiquement, puisque Actuel a beaucoup publié ce dessinateur, et même le premier à le publier en France, une fascination, le mot n'est pas trop fort, on le verra, pour le dessinateur américain Robert Crumb, qui incarne pour Patrice Blanc-Francard un peu cette image du dessinateur qui veut absolument évoluer en marge des circuits commerciaux. Et je vous propose un premier extrait dans lequel Jean-François Bizot, qui vient très souvent d'ailleurs hein, dans Pop 2, intervient pour raconter de manière très romanesque, vous allez le voir, sa rencontre avec Robert Crumb. On est en 1971, le 9 octobre très exactement. Pour vous résumer l'extrait, c'est Jean-François Bizot raconte comment il a rencontré, il a déniché, même selon ses mots, Robert Crumb aux États-Unis. Bon, alors on connaît aussi le personnage de Jean-François Bizot hein, qui en rajoute certainement beaucoup. Oui, donc il raconte sa rencontre avec Robert Crumb de manière très romanesque. Voilà, pour vous résumer la chose, on va peut-être enchaîner, sinon j'aurai pas le temps de vous parler du plus intéressant. Et en plus de ces invités, de ces incursions d'Actuel dans Pop 2, qui sont très fréquentes, comme je l'ai dit, l'émission invite souvent, des dessinateurs. On a par exemple un cas où Cardon vient parler de l'Amérique bruyante du noir. Mais ce qui est assez frappant lorsque les dessinateurs sont invités dans Pop 2, c'est qu'à aucun moment on ne parle de dessin finalement. Ce sont toujours des interviews qui tournent autour de la politique. Ils viennent presque réagir à l'actualité finalement. Et c'est intéressant de remarquer que ces deux émissions, Tac au Tac et Pop 2, sont diffusées en même temps. Et on a finalement deux perceptions totalement différentes de la bande dessinée, avec en effet une présence très forte de la politique dans Pop 2, et la notion de trou de souris qu'on évoquait tout à l'heure s'applique d'ailleurs tout à fait à cette émission, hein, qui flirte continuellement avec les limites du tolérable à l'ORTF, et qui a pu trouver une petite fenêtre pour aborder toutes ces questions, mais de manière évidemment toujours très précautionneuse, hein, pour ne pas s'attirer les foudres de la direction de l'ORTF. Et finalement, on constate que les dessinateurs, ils sont interviewés comme sont interviewés les musiciens qui viennent dans l'émission. Donc Cardon qui vient parler du racisme aux États-Unis, on a Topor qui vient, par exemple, disserter sur l'argent et le succès. Donc ce sont des thèmes qu'on retrouve tout à fait dans les interviews des différents musiciens qui se succèdent dans l'émission. Donc c'est quelque chose d'intéressant de ce point de vue. Et il en découle une volonté de parler très sérieusement dans la lignée de rock'n'folk, hein, de rock, de toute cette contre-culture. Et on assiste donc à une légitimation concomitante du rock et de la bande dessinée de ce point de vue, puisqu'en cherchant à en parler savamment, on cherche aussi à installer ces deux arts dans le paysage médiatique, même si c'est Pop 2 fait partie de ces émissions quelque peu confidentiel, on va dire. Donc on le voit, au début des années 70, au sein des émissions de rock, la bande dessinée était plutôt cantonnée à un statut d'art underground. Et elle ne quitte pas vraiment ce statut tout au long des années 70. Et il faut attendre pour voir une évolution assez spectaculaire, d'ailleurs, de ce point de vue, des années 80, donc l'arrivée de la gauche au pouvoir, qui permet à une nouvelle télévision finalement d'éclore, celle de l'esprit canal, si on anticipe un petit peu, et qui s'incarne d'abord sur Antenne 2 avec Les Enfants du Rock, diffusée dès 1982, et dans laquelle est comprise une émission entièrement dédiée à la bande dessinée, L'Impeccable, qui est présentée et produite par Philippe Manœuvre et Jean-Pierre Dionnet, qui sont d'ailleurs au passage des figures intéressantes, hein, pour notre propos aujourd'hui, puisqu'ils jouent sur les deux tableaux. Ils sont, alors Manœuvre écrit à Rock'n'Folk, il anime des émissions de rock sur Antenne 2,
Et tous les deux, ils sont chez Metal Hurlant aussi, quasiment au même moment. Donc voilà, des figures, des transfuges aussi, intéressants, dont les profils sont intéressants à signaler. Donc il crée cette émission quasiment dès le début des Enfants du Rock, et on sent d'emblée que le ton n'est plus du tout le même que celui de Pop 2. On rompt avec cet esprit contre-culturel, enfin pas totalement, mais en grande partie. On rompt avec ce côté underground en tout cas, et on célèbre la bande dessinée dans son intégralité. Et on nous le signale d'ailleurs dès le générique, qui est composé d'incrustations très rapides comme ça, de planches de bande dessinée, et ça peut aller des comics américains à Tintin, en passant par Lucky Luke, etc. Donc on nous montre à la fois cette bande dessinée pour adultes qui s'épanouissait déjà dans les années 70, et ces classiques pour la jeunesse qui font leur entrée cette fois dans les émissions de rock. Et la notion de classique, au passage, est d'ailleurs assez intéressante, puisque au début des années 80, donc au même moment, on a aussi un peu ce phénomène de création de classiques, de panthéonisation de certains artistes de rock qui s'effectuent au même moment. On passe beaucoup d'archives, les débuts de Jimi Hendrix, sa première fois en France, etc. Et là, on retrouve aussi la même chose dans la bande dessinée, avec comme ça ces classiques qui s'érigent à ce moment-là. On retrouve également quelque chose qui avait disparu de la télévision au moment de Pop 2, qu'on ne retrouvait que dans Tac au Tac, qui était, donc ça je vous passe cet extrait-là, puisque je n'aurai pas le temps de vous le passer, et en plus il n'y a pas de son. Oui, on a un retour donc du dessin en direct, puisque des dessinateurs sont invités évidemment dans l'émission, et on n'est plus à l'époque de Pop 2, cette fois ils prennent leur crayon et devant les caméras ils nous proposent des démonstrations en direct. Alors là c'est la même chose, j'avais un extrait qui est assez célèbre d'ailleurs de Maurice qui vient dans l'émission et qui vient dessiner Lucky Luke en direct, et il le dessine derrière une espèce de vitre, c'est un dispositif intéressant à commenter d'ailleurs, qui permet aux téléspectateurs de bien décortiquer son geste. Donc on a aussi un retour de tout cela, et on imagine évidemment que Manœuvre et Dionnet avaient Tac au Tac à l'esprit lorsqu'ils ont construit cette émission. J'aimerais bien leur demander à l'occasion, mais ça paraît évident. Donc un retour du dessin en direct, et ça va même plus loin. On a même parfois ce qu'on appellerait aujourd'hui des tutos, où certains dessinateurs viennent nous montrer comment dessiner une voiture, comment bien dessiner un cheval. Donc ça, de ce point de vue, c'est aussi très intéressant. Et ça m'amène à évoquer autre chose, ça traduit aussi une vraie volonté pédagogique de la part de Manœuvre et Dionnet, et qui est d'ailleurs, qui tranche avec la tonalité générale de l'émission, puisque chaque séquence est entrecoupée de gags qui sont restés assez célèbres, hein, au sein des Enfants du Rock en général d'ailleurs. Donc chaque émission est émaillée de gags, mais vous avez un moment qui est sanctuarisé à chaque numéro pour faire une espèce de cours d'histoire de la bande dessinée. C'est pareil, j'avais un très court extrait à vous passer qui est très très frappant, puisque on passe d'un gag assez loufoque et absurde de Manœuvre et Dionnet à tout d'un coup une séquence où une voix off adopte un ton très professoral et vient nous expliquer comment la bande dessinée elle prend son inspiration dans les images d'Épinal de la campagne, des campagnes napoléoniennes, comment Winsor McCay, etc. On remonte très loin, et on a au fil des numéros toute une histoire de la bande dessinée qui est proposée aux téléspectateurs. Donc on a une volonté, une légitimation qui ne se fait plus à bas bruit hein, cette fois, qui est vraiment presque gros sabot. Et on a une volonté même de bâtir presque une armée de bédéphiles, finalement, de jeunes bédéphiles, en formant la jeunesse à cette histoire de la bande dessinée. Et ce qui m'amène donc à conclure sur cette émission, en creusant l'analyse et en parlant peut-être, pour l'impeccable, d'une émission peut-être davantage de bédéphilie qu'une émission de bande dessinée, tout simplement. On a par exemple, donc je vous ai évoqué toutes ces velléités pédagogiques,
toutes ces entreprises pour apprendre le dessin. Mais on a aussi la figure du collectionneur qui est fréquemment rappelée au sein des émissions. Et à la toute fin de son existence, l'Impeccable évolue pour trois numéros en un jeu dans lesquels deux candidats sont invités. On leur pose des questions sur l'univers de la bande dessinée, et ils répondent plus ou moins bien. Et à la fin, ils peuvent gagner leur poids en bande dessinée. Et l'émission se clôt toujours par une scène qui devient caractéristique où le candidat gagnant s'assoit sur une énorme balance à plateau et Philippe Manœuvre empile les albums de bande dessinée jusqu'à trouver l'équilibre. Donc voilà, on remarque avec l'Impeccable que la bande dessinée a trouvé une nouvelle place finalement à la télévision au tout début des années 80. Elle est passée au sein des émissions de rock comme je l'ai dit, et je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque je l'ai déjà assez martelé, elle passe d'un statut underground à un statut presque grand public, pour reprendre un terme qui est assez cher aux professionnels de la télévision. Et elle suit de ce point de vue la même évolution que le rock finalement, et c'est pour ça qu'on pourrait peut-être interroger aussi l'idée d'une alliance de circonstances entre le rock et la bande dessinée, qui sont deux arts en quête de légitimité au début des années 70, et qui font un peu front commun pour s'imposer à la télévision. Et tout cela doit également être remis en perspective en s'appuyant sur l'histoire du média télévisuel en lui-même, hein, puisque c'est une émission comme l'Impeccable et comme les Enfants du Rock en général, elle existe surtout parce que la télévision connaît un important bouleversement et une nouvelle liberté qui émerge à ce moment-là. Et je terminerai en ouvrant peut-être une perspective et en pointant le fait que le rock et la bande dessinée, lorsqu'on l'on plonge dans l'un ou l'autre, quand on s'intéresse par exemple aux émissions de rock, et lorsqu'on creuse et qu'on passe en revue les différents acteurs, on remarque qu'on retrouve très souvent les mêmes noms dans un univers et dans un autre, dans la bande dessinée et dans le rock. Les cas de Manœuvre et Dionnet que je citais, on pourrait citer... également Philippe Coquelin, qui est l'un des fondateurs de Rock'n'Folk, rédacteur en chef de la revue pendant très longtemps, et qui, dans les années 80, devient rédacteur en chef de L'Écho des Savanes. Donc on remarque, en s'intéressant à ces univers, qu'il y a un réseau d'acteurs très, très resserré et qui pourrait offrir de belles perspectives de recherche, à mon sens. Je vous remercie. Merci.